gagner coûte que coûte. Dans le dernier épisode de Beyblade, au royaume perdu du roi Hadès, Rago et sa toupie Nemesis dominent tous les bladeurs adverses, dont Kenta. Il semblerait que ce soit la fin pour Kenta, mais les choses changent lorsque Ryuga surgit et sort sa toupie El Drago. Ryuga dit à Kenta qu'il va tenir sa promesse. Il lui avait dit que si Kenta arrivait à l'impressionner, il aiderait Jinga et les autres. Il propulse El Drago. L'énergie qu'il contient s'échappe et s'introduit dans Sagittario. Kenta passe de la stupéfaction à l'étonnement lorsqu'il découvre que Ryuga a disparu. Kenta pleure la perte de Ryuga mais transforme sa tristesse en colère. Sa toupie commence à se transformer pour devenir Flash Sagittario. Kenta surprend Rago en lançant une attaque. Le combat entre Diablo Nemesis et Flash Sagittario reprend de plus belle. Sagittario vient d'évoluer sous nos yeux. Oh Kenta, tu es devenu... Je vais te faire payer ce que tu as fait. Fonce maintenant, Flash Sagittario. Comment est-ce possible? Flash Sagittario, maintenant! C'est dingue! Tu as vu Sagittario? Je suis étonnée de voir qu'il puisse attaquer Nemesis sans relâche. Regarde ça! La roue de fusion de Sagittario a été divisée en une roue et un noyau de métal. Je comprends! Ces deux couches sont équilibrées comme un arc et sa flèche, et elles permettent une rotation stable. Nemesis! De plus, ce Sagittario amélioré a un axe de rotation 230. Les attaques de Nemesis ne peuvent donc plus atteindre sa roue de fusion. Sagittario a évolué pour devenir une toupie de type endurance encore plus forte. Ça ne change rien. Je ne perdrai pas, tu m'entends? D'où est-ce qu'elle vient? Toute cette puissance! Ça ne fait aucun doute. Kenta est aussi un blader légendaire, tout comme nous. Hein? Comment est-ce possible? Tous les fragments d'étoiles qui sont tombés sur la Terre ont trouvé leur toupie! En effet, il y en avait 10. 5 d'entre eux se retrouvent maintenant dans les toupies du système solaire appartenant aux descendants des bladers guerriers anciens. 4 autres sont désormais contenus dans les toupies des 4 saisons nées de la prophétie du roi Zeus. Et le dernier s'est introduit dans Nemesis, la toupie de Rago, le blader qui perpétue la volonté d'Hadès. Dans ce cas, il ne devrait pas y avoir d'autres fragments d'étoiles, n'est-ce pas? Kenta, celui de Ryuga. Il a hérité de la puissance du fragment d'étoile qui se trouvait à l'intérieur du El Drago de Ryuga. Tu crois, Jinga? Est-ce possible, Dynamis? Normalement, les fragments d'étoiles ne peuvent survivre que dans les toupies des guerriers élus par les cieux. Une minute. Corrige-moi si je me trompe, mais tu nous avais dit que les fragments d'étoiles pouvaient être pris ou donnés. Oui, c'est ce que je pensais. Mais j'avais tort. El Drago et Sagittario? Je sais! Sagittario est de la constellation du Sagittaire. Elle fait partie du triangle d'été tout comme celle du dragon. De plus, Kenta a suivi Ryuga au cours d'un périple qui s'est révélé long et harassant. Il a emprunté le même parcours que Ryuga et a vécu le même quotidien que lui. Son but était d'améliorer ses compétences pour se rapprocher de Ryuga. Et ainsi, Kenta a donné le meilleur de lui-même et Ryuga a su l'apprécier. Tu peux le faire, Sagittario! C'est l'heure de ta défaite, Nemesis! Ah! Je vois que ce vermisseau n'abandonnera pas! Ne cède pas, Sagittario! Ça a assez duré! Envol suprême de l'Empereur Dragon! Je n'arrive pas à y croire. J'ai utilisé mon coup le plus puissant contre un enfant. Espèce de...
Ryuga a reconnu tes talents de blader, tu entends, Kenta? C'est la raison pour laquelle Ryuga t'a confié la puissance de son fragment d'étoile, parce qu'il te respecte. Ryuga me respecte. Il y a eu un moment grandiose où je me suis comporté sérieusement. Et j'ai promis. Prends-le! Il est pour toi, Kenta! Grâce au lien qui s'est créé entre toi et Ryuga, tu as pu hériter et recevoir la puissance du fragment d'étoile de Ryuga, tu comprends? Tu es désormais le nouveau blader légendaire du Triangle d'été! Je suis le nouveau blader légendaire du Triangle d'été, tu en es bien sûr, Jinga! Lié à Ryuga? Ouah, Keke! Les épreuves que Kenta a subies ont été très utiles! Oh! C'est pas vrai, c'est impossible! Ceux d'entre nous qui possèdent un fragment d'étoile ont un rôle spécifique à jouer. Ce qui signifie... Je comprends! Jinga, tous les bladers légendaires des quatre saisons sont à nouveau réunis. Tu sais ce que ça veut dire? Oui, Yuki. Ça veut dire que nous pouvons essayer de construire la barrière de Zeus. Pas vrai, Dynamis? Oui, c'est vrai. C'est merveilleux. Il semblerait que la volonté suprême de l'univers n'a pas l'intention de nous abandonner. Dans ce cas, réunissons-nous une nouvelle fois, les amis, vite! Nous devons venir en aide à la toupie du Triangle d'été. T'as raison. Maintenant que nous savons ce qui se passe, il n'y a plus de temps à perdre. Cette fois, on réussira, j'en suis certain. Envoie-le dans les airs, Vargarès! Tiens, voilà pour toi, gros dur! Super, King Titi! C'est parti! Kenta, Titi, unissons nos forces pour le combattre! Ok, maintenant, Sagittario! Vargarès! Quetzalcoatl! Super! Attaquons-le ensemble! Ne le laissons pas retrouver l'équilibre, c'est l'occasion rêvée! Bien dit, King! Ne vous emballez pas trop vite! Vargarès! Quetzalcoatl! Vas-y, Eagle! Tu nous as sauvés! Merci beaucoup à toi! Vas-y maintenant, Sagittario! Retire-toi, Kenta! Pourquoi ça? Tu dois rejoindre Jinga et les autres. Ils ont besoin de toi pour construire la barrière de Zeus. Nous le tiendrons occupé. Allez, vas-y, Kenta! Ok. Kyoya, Chris, je suis prêt. Moi aussi. Léon! Orion! Pegasus! Allez, Kenta, dépêche-toi. Oui, ok. Je m'en charge. Sagittario! Je ne vous laisserai pas faire. Némésis! Oh, nous ne te laisserons pas entraver le plan de nos amis. Allez en avant, wow! Jupiter! Ça alors? Il est hyper fort! Il faut qu'on leur vienne en aide! Tsubasa, You! Pas besoin de le dire deux fois! Maintenant, allez, Libra! Vermisseau, ôtez-vous de mon chemin! Jinga! Oui, Kenta, érigeons cette barrière tant que nous en avons la possibilité! Vous dites qu'il y a un nouveau blader légendaire du Triangle d'été? Je ne vous crois pas! La prophétie du roi Hadès n'en fait pas mention! Je ne l'accepterai pas! Je ne peux pas accepter une telle chose! Vous avez vu? C'est mauvais signe! Maintenant, vas-y, Rago! Essayerait-il de nous piéger? Ce n'est pas bon. Sagittario a été séparé de nous. Oh non! La prophétie du roi Hadès est sans appel. Elle ne fait pas état de ton existence, petit. Ça ne nous arrêtera pas! Vas-y, détruis cette paroi, Striker! Transperce-la! C'est inutile. Vous pouvez tout essayer. Vous ne pourrez vous échapper de ce tombeau. C'est ici que vous allez reposer à tout jamais. Alors que comptes-tu faire, nouveau blader légendaire du Triangle d'été? Jinga a raison. Ryuga m'a confié le pouvoir du fragment d'étoile. Je suis le blader légendaire du Triangle d'été. Je ne peux pas perdre ce combat, je ne le peux pas. Je me demande ce que tu vas pouvoir faire tout seul. Vas-y, Fire Fuse Darkel. N'abandonne pas, Sagittario! L'axe de rotation de Sagittario est très grand et celui de Fire Fuse Darkel met un armure défense 145. La roue de fusion de Darkel ne pourra donc pas atteindre celle de Sagittario. Si c'est comme tu le dis,
Je vais montrer à cet axe de rotation à quel point Dark Helm est puissant. Sagittario ! Oh, les amis, la roue de fusion de Dark Helm possède 10 lames bien aiguisées. Si elle continue à subir des attaques pareilles, la roue de fusion de Sagittario se fera démolir. Tu dois t'enfuir, Kenta ! C'est dangereux pour toi de te faire attaquer ainsi ! Sagittario ! Reste là ! Sagittario ! Ton grand axe de rotation est plutôt à ton désavantage, mon gars. Kenta ! Oh. Tu n'as pas le temps de te préoccuper de ton ami. Tu devrais plutôt t'inquiéter de ton sang. Ah non ah La fameuse barrière de Zeus ne pourra jamais être érigée. C'est comme ça. Avant que le reste du monde ne soit réduit à néant, je vais m'occuper de vous éliminer. La fameuse barrière de Zeus ne pourra jamais être érigée, c'est comme ça. Avant que le reste du monde ne soit réduit à néant, je vais m'occuper de vous éliminer. N'en sois pas si sûr. Nous ne perdrons pas ce combat. Nous ne vous laisserons pas anéantir le monde. Sagittario ! Sagittario a penché sa roue de fusion en avant. Compte-t-il l'attaquer de plein fouet ? Tu perds ton temps. Une attaque venant d'une toupie comme la tienne n'a aucune chance d'affecter mon Fire Fuse Dark Helm. Si Sagittario a l'intention de continuer à attaquer Dark Helm de cette manière, une attaque de ce genre ne diminuera en rien la puissance de Dark Helm. Mauvaise tactique, Kenta ! Le rôle que le blader légendaire du Triangle d'été doit remplir m'a été confié par Ryuga. Je dois ériger la barrière de Zeus avec Jinga et les autres et chasser le dieu de la destruction une bonne fois pour toutes. Je ne perdrai pas face à des gens de votre espèce. C'est incroyable, Sagittario vient de changer de mode. C'est pas vrai. C'est génial, t'as réussi, Kenta. J'en reviens pas. Comment sa puissance a-t-elle pu augmenter soudainement? Qu'est-ce qui se passe? Oh, les deux couches de la roue de fusion se sont unies pour ne faire plus qu'un élément. Je vois. Lorsque les deux couches de la roue de fusion de Sagittario se chevauchent, sa puissance d'attaque augmente. Maintenant, Sagittario! Flash Sagittario peut passer du mode endurance au mode attaque. Alors là, il est en mode attaque. Ouais! Oh yeah! Ça se présente bien! Continue comme ça, envoie-le dans les airs! Je ne me réjouirais pas trop tôt si j'étais vous, Vermisson! Ça suffit comme ça! Mais qu'est-ce que c'est? Nous devons à tout prix protéger les toupies des quatre saisons! Les amis! C'est fichu! Il semblerait qu'on ne peut pas arrêter Némésis sans la barrière de Zeus. La situation est désespérée. Non, Kenta. La situation est critique. Si je ne fais rien, mes amis seront condamnés. Je vais agir. On y va. Coup spécial Sagittario. Attaque, griffe en piqué. Ma seule option est de tout miser sur ce coup. Sagittario. Maintenant, Sagittario. Gagne ce combat avec une seule frappe. Tu es un idiot. Tu es tellement pressé d'aider tes amis que tu te mets carrément à découvert. Et tu vas le payer cher. Oh non, Sagittario. Tout est terminé. Je veux parler à la fois de la barrière de Zeus et de votre avenir. Ce monde est destiné à devenir un empire obscur, gouverné par le dieu de la destruction. Est-ce que vous le comprenez enfin? Maintenant, coup spécial. Sagittario, attaque griffe en piqué. Une minute. Flash Sagittario possède un axe de rotation de 230. Il n'a pas les griffes de mon ancien Sagittario.
Oh, mais j'ai consacré toute mon énergie à créer ce coup spécial afin que Ryuga me prenne au sérieux. On y va! Coup spécial Sagittario! Attaque griffe en piqué! Ça a assez duré! Envol suprême de l'Empereur Dragon! N'abandonne pas, Sagittario! Oh! Oh! Sagittario! Oh! J'ai sacrifié tout ce temps dans le but d'affronter Ryuga et... Ryuga! Ryuga, tu vas bien? Il y a eu un moment grandiose où je me suis comporté sérieusement. Et j'ai promis! Prends-le! Il est à toi, Kenta! Ryuga a reconnu mes efforts, et c'est à moi qu'il a confié le pouvoir exceptionnel de son fragment d'étoile! Une toupie qui détient la puissance d'un fragment d'étoile évolue selon l'esprit du Blader qui la possède! Tu m'entends? Tant que je n'abandonnerai pas le combat, Sagittario me répondra, je le sais! Je n'ai aucun doute là-dessus! Pour notre avenir! C'est parti! Fonce, Sagittario! C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Oh! C'est impossible! Dark Helm, la toupie inspirée par le roi Hadès! Moi, le descendant direct du roi Hadès, j'ai perdu! Face à un Blader aussi insignifiant que lui! Bien joué, Keke! Oh yeah! Oh. C'était super, Kenta! Kenta, tu as gagné! Mais c'est... impossible! La prophétie du roi Hadès est sans appel! Attendez, je vais transpercer cette paroi sans plus attendre! Quel naïf! Oh. Une toupie comme la tienne ne peut transpercer la paroi du soleil noir. Tu n'en es pas digne! Ah 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 ne nous sous-estime pas! Cette fois, j'arriverai à la transpercer! Tu as vraiment un moyen d'y arriver, Masamune? Oui, bien sûr que j'en ai un, Yu. Le moyen, c'est ma volonté. Hein? Je la transpercerai avec ma volonté! Kenta a travaillé dur pour nous aider! Je ne peux pas abandonner maintenant! Est-ce que tu m'entends? Tu ne comprends toujours pas que c'est inutile! Tu peux y arriver, Striker! Tiens bon! Masamune! Ok, je viens t'aider! Vas-y, Yu! Moi aussi, j'ai de la volonté! Je sais! Vous n'êtes pas les seuls à en avoir, les gars! Léon! Kronos? Aguma, pourquoi? Kyoya, n'oublie surtout pas que vous, les Bladers légendaires des quatre saisons, êtes notre toute dernière chance. Ah! Oui, tu dois absolument nous laisser nous en charger! Donnons-nous à fond, d'accord? Oui! Essayez de faire aussi bien que moi! Nous allons le percuter de toutes nos forces! Comptez sur nous! Les amis! C'est parti! C'est parti! Espèce de... Masamune! Yu! Allez-y maintenant! Ok! C'est parti! Les amis, faites de votre mieux! Allez-y! Comment osez-vous, Vermisseau? Je vais vous remettre à votre place! Ah! 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 Oh non! Variares! Oh non! Quetzalcoatl! Oh, Jupiter! Kronos! Alors ça y est, vous avez enfin compris! Oh non! Striker! Coup spécial! Éclair de lumière! Qu'est-ce que tu fais? Maintenant! Eagle! Tornade de lumière destructrice! Laissez-moi ajouter la touche finale! Libre! Jugement infernal final! On a réussi! Incroyable! Ça alors? Oh! Oh non, Libra! Jinga! Kiyoya! Chris! Kenta!
Vous vous chargez du reste, d'accord? On compte tous sur toi, Jingi. D'accord. Bon boulot, les amis. Allez, Kenta, à nous de jouer. D'accord. Chris, Kyoya, vous êtes prêts? Ouais. Pas si vite. On doit se dépêcher. C'est fabuleux! La barrière de Zeus est enfin érigée! Ah ah, ça ne marchera pas! Ah, accrochez-vous, les gars! Il faut tenir encore un peu!